Ouais, de toute façon, vous inquiétez pas, hein, on a une benne 3 essieux, on viendra avec une benne, mais vous serez remboursé. Hein. Ok, je suis oui. Il y aura une réduction. On commence. Ok, j'en pique en premier alors. Donc... Bah, le mien, je suis derrière. Hein. S'il te plaît. Tiens. Hop. Oh la vache, c'est lourd. Voilà, nickel. Bon alors ton médecin, qu'est-ce qu'il t'a dit de beau? Bon bah j'ai une voire deux semaines d'arrêt. Ah oui ouais. On va bien voir après. Ah ouais, t'es un feignant. Eh oui. Hop. Alors ici, voilà. Bon sinon t'as fait l'ensilage d'herbe? Ouais, ouais ça s'est bien passé ouais. On a rempli, bon pas à fond le silo mais on a un petit silo d'ensilage d'herbe quoi. Ah ouais. J'ai pas mal. Ça va, il bossait bien avec sa. Il est venu avec sa. Son ancienne New Holland, là. Il l'avait acheté. Il avait pas. Ah ouais, une New Holland. Ouais. FR, je sais plus combien, mais. Ça va, on marche bien. Bon, ça va peut-être pas valoir Krone non plus, mais. Ça va quand même. Ah ouais, j'ai commandé un. Une fameuse Krone. Ah. Une fameuse Krone. Ah ouais. Ouais, elle devrait être livrée soit aujourd'hui, soit demain. Bon, ah ouais, d'accord. Écoute, je verrai bien. Hein. Oui, ouais, comment... au moins on sera tranquille pour le foin. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ça sera tranquille. Ça sera nickel, ça sera nickel. On pourra attaquer comme ça. Hop. Ouais, j'évite de rouler trop. Parce qu'il y en a qui traversent parfois, mon gars. Ouais, on se demande qui ça. Faut que je le chope celui-là. Ouais. Hop. Alors, ta maison. C'est celle-là. C'est celle-là. Allez, traverse. Voilà. Va falloir que tu ranges encore un peu ton bois là, il y en a encore de rendu là. Ouais, enfin, mais. T'en as rangé un peu quand même. Hop. Vas-y, ouvre ta porte, j'arrive. C'est bon, elle est ouverte. Hop. Allez, tiens, prends ta béquille. Merci. Voilà. Je t'amènerai de la paperasse hein, pour pas que tu t'ennuies quand même. Et puis, parce que j'aurai pas le temps de la faire. Oh mais non, mais je vais pas m'ennuyer. Ah si, je m'ennuierai pas, t'inquiète pas. Je vais t'en amener. Y'a même pas de problème. Ok, ok. Mais au moins, ça sera fait. Ouais, bah oui, ouais. Bon bah écoute, bon rétablissement, puis je passerai ouais, te voir dans la semaine. Ouais, ouais, je t'appellerai par là. Ok, pas de soucis. Allez. Ouais, bonne journée. Ouais, merci. Ouais, c'est bon, je vais pouvoir attaquer la journée, là. Alors, ce matin, ouais, alors je vais commencer par faire du transport de lisier. Je pense, deux, trois tonneaux, je pense que ça sera déjà pas mal. On va vider un peu la fosse des vaches. On va aller transplanter ça. Transplanter, si je puis dire. On va transporter ça plutôt dans la fosse des cochons. Ça va aller bien vide. Enfin, elle est pas vide, mais il y a encore de quoi faire. Hein. Encore quoi pas bien mettre. Ouais. Bon, allez, hop, on attaque. Je vais démarrer le T7. Hop. Alors, on démarre tout ce beau monde. Voilà, nickel, je baisse le volant, hop, c'est bon, et je suis parti. Alors, on va aller chercher la tonne, notre petite tonne, mais bon, 2-3 tonneaux, je pense que ça sera vraiment, vraiment suffisant pour ce qu'on a à faire. Et puis cet après-midi, soit je vais être autour du... Je sais pas ce que je pourrais bien faire cet après-midi. Hop, j'ai pas mal de trucs à faire. Bah, au niveau de la paperasse, même si Greg va gérer ça, il va avoir besoin de quelques données. Enfin, c'est des papiers que j'ai dans mes bureaux. Faudrait que je lui trouve ça. Ouais, à moins que je vais pouvoir commencer à faner. Normalement, c'était soit aujourd'hui, soit demain que le mécano recevait sa commande. Là, il a commandé pas mal de trucs. Donc, on verra bien. Hop, on verra bien quand c'est qu'il va recevoir tout ça. Hop, on ouvre la porte. De toute façon, normalement, il devrait m'appeler. Hein. Il m'appelle en général, il est livré dans la matinée, donc il devrait pas trop tarder. Alors ici, on met quoi? On met ça. La prise de force, il la met là en général. Tac, nickel. La prise de force, on va la mettre comme ça. Hop. Voilà, nickel, parfait.
Tout est bon ici. Ouais, le Giro, ça va, il manque pas grand-chose parce que quand je suis avec le T7 quand même, ça me ferait chier de pas avoir de Giro. Parce que là, on croise des flics, on est mal. Tac. Voilà. Tout est bon. On est parti, nickel. Nickel, nickel. Ouais, va quand même falloir que je passe le boîtier. Ouais, j'ai oublié de le mettre dans la cabine. Il est encore sur la tonne. Le boîtier pour commander tout ça, pour activer la pompe, activer la tonne, etc. Activer l'épandage. Bon, après, j'ai pas besoin d'épandre, mais bon. Ça, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux d'avoir le boîtier pour activer tout ça au lieu de descendre à chaque fois. De toute façon, je vais quand même devoir descendre pour mettre le bras. Mais je vais quand même le mettre à l'intérieur, je préfère. C'est quand même mieux. Alors, ici, un peu là. Ici, ça passe juste, hein. Au niveau des barrières, c'est toujours aussi juste. Pour passer, ça n'a pas changé. Tac, tac, tac. Ici, il faut que je passe, si je me souviens bien, en marche arrière, oui, c'est exact. Ouais, ça va pas être facile. C'est encore une fois ici pour passer. C'est pas forcément la joie. Alors, est-ce que ça passe? Ça m'a l'air bon pour le moment. Je vais tester mes capacités à faire des manœuvres. Ouais, ça m'a l'air bon. Oula, contre-braque. Éviter de rentrer dans les pneus. Ah bah je m'en sors mieux. Je m'en sors mieux qu'avant. Ça fait plaisir. Tac. Ici. Hop, je réavance un petit peu. Histoire d'être bien en face. Hop, on contre-braque une dernière fois. Et on est devant, nickel. Alors, ici je vais ouvrir ça. Tac, je le mets là. Ici au niveau de la pompe. Tourner tout ça. Hop, ici le boîtier. On va le mettre. Je vais le laisser. Tac, je vais le mettre dans la cabine. Normalement, j'ai juste à le prendre. Voilà. Et du coup, là, j'active. Ah là, nickel. Plus qu'à désactiver une fois qu'il sera plein. Ça va, ça remplit assez vite. Et puis, c'est pas mal qu'on a ce petit indicateur, vu qu'on n'a pas, comme on a sur certaines tonnes, un espèce de tuyau transparent, quoi, un niveau, où on peut voir combien on est rempli. C'est quand même pas mal d'avoir cette petite jauge. Ça fait tout aussi bien le taf, hein. Tac, on désactive. Voilà, nickel. Hop, je pose le boîtier ici. Ici. Tac, ça je le laisse là, je laisse brancher de ce côté-là parce qu'on va pas faire qu'un seul trajet. Et je le pose ici. Ouais, comme on peut voir, la fosse est bien pleine. Il était temps de la vider, hein, parce que elle était limite à déborder. J'ai bien fait de réagir parce que putain, on aurait eu des emmerdes avec ça. Voilà, hop. Et je suis parti. Tac. Ici. Hop là, on va essayer de bien braquer pour faire demi-tour. Même pas besoin de faire demi-tour, limite, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire qu'une petite marche arrière ici sera amplement suffisante. Ouais, nickel. Petite marche arrière. On prend assez d'espace de quoi braquer. Et c'est parfait. Ah, nickel. Oh bah. Ah bah tiens, le concessionnaire qui m'appelle, c'est sûrement pour la faneuse. Allô? Bonjour, bah du coup je te contacte suite à ta commande, donc elle est bien arrivée ta fameuse Crone, Ah me semble, ouais. oui, Ok. 9 mètres, donc elle est arrivée, donc tu peux passer quand Nickel. tu veux. Oui, là 11 mètres, tu veux dire, oui. Oui, 11 mètres, autant pour moi, oui, excuse-moi, autant pour Ok. moi. Donc t'as reçu tout ça, donc je peux passer. Je passe quand? Quand que je vais passer? T'es là dans la matinée 10-11 heures? Oui, je serai là, je serai Pas là. loin. Tu fermes vers quelle heure, toi, le midi? Ouais, vers midi environ, ça Midi. dépend après. Ouais. Ok. Bon, je te dis à tout de suite. Ouais, ok, tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Tac. Voilà. Hop. On met le gyro. Et on est parti. Ah, nickel. Ça, c'est quand même sympa. Ça, cet après-midi, pour aller faner. Faner tous ces champs. Ça, c'est vraiment nickel. Le blé est bien levé. Hein. Le maïs aussi. Ça, c'est franchement parfait. Tout élevé, etc. Tout se passe bien. J'ai juste dû faire un petit rattrapage sur le maïs léger. Bon, un passage sur le blé, quoi. Un ou deux passages sur le blé.
Bah, un sur l'orge aussi, également. Mais ouais, non, c'est bon. Sinon, c'est nickel. On aura plus qu'à inspecter tout ça de temps en temps. Puis, normalement, ça devrait être bon. Bah, comme j'en parlais avec Greg, hein, normalement, il devrait. Oula, ici, c'est limite. Il devrait normalement pouvoir être de retour parce que bon, il a pas grand chose, hein, comme il disait. C'est juste histoire de pas forcer sur sa jambe. Et il peut pas venir à la ferme sans forcer sur sa jambe. Du coup, il va rester une semaine, voire maximum 2 semaines s'il se sent pas trop. Enfin, il verra bien au niveau des analyses avec le médecin. Hein. 2 semaines s'il se sent pas trop chez lui. Et puis comme ça, bah, après, on pourra tout recommencer normalement. Et ça sera nickel. La ferme sera relancée hein, parce que. On a quand même pas mal de petits problèmes, mais bon, ça, c'est toutes les fermes hein, qui ont des petits problèmes de temps en temps. Je vais pas me plaindre, c'est tout à fait normal. Mais bon, ça va. Enfin, c'est pas normal la réaction de la personne, d'ailleurs, ils l'ont toujours pas retrouvé. Hein, mais bon, à mon avis, pour le retrouver, ça va être pratiquement impossible. Il y avait pratiquement pas de témoins ni rien. À part la voiture qui arrivait assez rapidement pour appeler les pompiers, mais bon, sinon, il y avait aucun témoin, du coup, je pense qu'il va être irretrouvable. Tout Greg était pas dans un assez bon état pour se rappeler du nom de la plaque. Oula. Ouh, un sacré chargement là. Oh la vache, un chargeur comme ça. Qu'est-ce que ça doit être bien pour des chargements de grains, etc. Bah, ça se trouve, c'était le mec de la coopérative. J'ai pas eu le temps de voir. Ouais, à tous les coups, c'était le mec de la coop. Hop, ouais, je passe par là cette fois. J'ai remarqué que c'était limite plus rapide que de passer par le concessio. Surtout que la montée au niveau du concessio est pas. Et pas spécialement cool, hein. C'est surtout la montée est rude. J'ai pu tester ça avec le CAS, ça vient pas forcément que du Masset, bon même s'il traque pas énormément. Ça vient aussi de la montée qui est assez rude, avec là, hop, regardez, ça passe tranquille. Ça c'est parfait, hop, petit clignotant. On a personne. C'est parfait. Alors ici. Ici, je rentre par où ici, je vais me mettre de façon à pouvoir vider dans la fosse. Hop. Je vais faire une petite marche arrière. Ouais, Giro marche bien sur le T7, ça fait plaisir. Sur la tonne aussi, je vois ça. Donc ça, c'est nickel. Mais normalement, j'avais bien vérifié. Tout était dessus et normalement, il n'y avait pas de raison que ça marche pas. Parce que ça, quand ça lâche, ça coûte cher. Alors, je préfère pas que ça lâche. Putain, je vois rien. Sur mon rétro. Ah, je vois mieux là déjà. Hop. Je vois mieux sur le rétro. Hop. On braque comme ça. Je vais descendre regarder parce qu'on n'est jamais trop sûr. Je suis à moitié bon. Ouais. Bon bah hop, je vais pouvoir commencer à vider. Mr. E.S., that's the part.
a dû refaire un peu le stock, ça c'est sûr. Bah, déjà là, je vois des moissonneuses New Holland. Ouais, qui était pas là. Il a fait le stock. Il a fait le stock pour la saison des moissons. Oh la vache, un Optum. Non, deux Optum. Putain. Et pas rien. Pas rien, pas rien. Hop. Moi, je vais me mettre... je vais me mettre ici. Histoire de pas trop gêner. Hop, je vais le laisser allumer de toute façon. Ah. Ah, te voilà. Salut. T'as eu de la chance, hein, j'étais prêt à partir. Ah, salut. Ouais. Ah ouais, tu fais pas d'heure, ah, ouais. Ah non, non, mais j'ai eu un coup de fil et on est resté assez longtemps au téléphone, donc... Ah, nickel. Voilà. Bon, on va pas trop traîner. Non, non, non. Donc la Vla, elle est là, la Krone. Ok, la KWT... 11, 22, 10, ouais, c'est celle-là. Nickel, oui, c'est nickel. Celle-là, ouais. Hop. Ouais, bah parfait, écoute. Parfait, parfait. Au niveau de la facture, pareil, tu l'envoies à l'entreprise. Oui, voilà, ouais. Oh, ouais, je vais faire ça. Et puis... Puis ça sera bon, ça sera bon. Écoute, je recule, tu m'attelles ça et puis, on va pas tarder, je vais pas te retenir plus longtemps. Ouais, ok, ça marche. Allez, j'arrive. Alors, hop, ici on va fermer la porte quand même. Oula, attends, je vais me remettre droit parce que. Eh, t'as reçu des Optum là? Ouais, 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 bah vache. Ouais, deux, ouais, ouais, c'est pas mal ça là. T'as dû les commander quand même vachement à l'avance parce que pour en recevoir, à mon avis, ça doit être une guerre qu'il faut faire avec Kaz. Ouais, ouais, vas-y, recule encore un ça, peu. Ça doit être demandé. Ouais, ouais, un petit peu, ouais. Ah, tu m'étonnes. Hop. T'en as toujours vendu ou t'en avais reçu plusieurs et t'en as déjà distribué J'en avais reçu 3, il y en avait un qui était déjà commandé donc il est parti ce matin. Ah, ok, ouais. Et ah, là, il en reste 2, voilà. Pas perdu de temps, les affaires rigolent pas. Ah non. Bientôt rouler en Ferrari. Je t'ai quand même. Ouais, non. Je te retarde pas plus longtemps. Je vais te laisser aller manger ton caviar. Hein, c'est vu ce que tu vends. Y'a pas de souci. t'envoies la facture. Ouais, elle entre au GAEC. Hein. Comme on avait convenu, 15005, c'est ça? Je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. 15005, ok, nickel. Bon, bah, écoute, je te tiens au courant s'il y a un problème. Mais bon, y'a pas de raison. En général, un Krone, c'est très très fiable. Oui, bon. Bah, généralement, oui, oui. Bon, oui, oui. Bon, allez, bon après-midi. Et puis, bah, bon appétit. Merci, bah toi aussi, salut. Allez, salut. Hop. Voilà, nickel. Oh putain, on les entend les vaches, hein. Et ouais. Wow. Hop, attendez, je termine ma canette. Voilà. On va pouvoir partir, c'est bon. Tout est prêt, le masset, c'est bon. Tout est attelé, nickel. Je regarde un coup quand même. Ouais, mais normalement, dès qu'on achète, c'est prêt à l'emploi. Alors, il n'y a pas de souci. Tout m'a l'air de fonctionner. Ouais, bon, bah c'est parfait. Écoutez, on est parti. Alors, je vais rentrer dans ce masset. Tac. On va redémarrer tout ça. Oula, allez. Ça met plus de temps à démarrer que le T7. Non, ça va encore. Hop. Alors, on est parti. Alors, je vais commencer par le champ qui est... Ouais, après le bourg au niveau des descentes. Il est à moitié en descente, il me semble. Si je me souviens bien. Bien, plutôt. Je me souviens bien, ouais. Normalement, il doit être prêt de la descente pour aller vers l'ETA. Donc, je devrais pas trop le louper. Si tout se passe bien, si je suis pas trop bête, normalement, je devrais pas trop le louper. Mais il n'y a pas de raison. Alors, ici, la radio, tiens. Je vais m'allumer la radio. Hop. Voilà. Ah, nickel. Faire ça en musique en plus, ça va être vraiment sympa. Il est assez confortable, hein, le masset. Ouais, bon, il vaut peut-être pas le T7, mais... il est assez confortable. Hop, voilà, on va pas oublier le gyro quand même. Ça, j'oublie pas de l'éteindre, mais le mettre, par contre, j'oublie. J'oublie pas quand je risque de vider la batterie, tout simplement. Hop. Ouais, donc, c'est pas celui qu'on avait fait, c'est juste... ouais, ça. Ça va, ça va. Je vois à peu près au niveau de l'ETA. Nickel. Ah, c'est un petit bourg qu'on a là, bien tranquille, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on a une commune assez tranquille. Bon, j'allais dire, il n'y a pas souvent d'accident, mais voilà, ça serait un peu mentir. Mais sinon, ça va, dans l'ensemble, c'est assez tranquille, on n'a pas trop à se plaindre là-dessus. Il n'y a pas trop de circulation, à part l'été, arrivé vers août,
même juillet peut-être, ouais, mi-juillet. Il commence à y avoir un peu de monde parce que bon, les montagnes, etc., ça peut attirer les... Ça, c'est sûr. Hop. Alors, ici. Tac. Je vais rouler un petit peu sur mes andins. Tac, et je vais faire une petite marche arrière. Hop, alors on évite de se prendre la barrière. Dans l'autre sens, s'il te plaît. Hop. Ouais, pas facile. Pas tellement facile de passer par là. Alors, ici, on braque. Voilà. C'est vrai qu'il prend assez large, hein. Il prend 11 mètres. Du coup, il va falloir que je me mette. Je vois pas trop. 11 mètres. Ouais, je peux prendre assez large. Hein. 11 mètres. Je vais pas mettre de temps à faire celui-là. Mais l'autre champ, je vais mettre du temps. Je pense un peu plus, en tout cas. Je vais pas mettre énormément de temps, mais. Légèrement plus. Et ici, on va essayer de tout prendre quand même. Ça pourrait être pas mal. Hop. Autre braque. Voilà, ça m'a l'air à peu près bon. Alors ici, si j'appuie là, ça baisse. Si j'appuie là, alors elle tourne toute au moins. Ouais, bon, bah écoutez, ça m'a l'air de marcher. Enfin, je sais pas si ça marche, mais en tout cas, ça tourne. On va éteindre le gyro, plus besoin. Et, ah ouais, ouais, nickel. Ça fan, je passe passer plusieurs coups de faneuse. Ouais, normalement, ouais, c'est un tous les deux jours, il me semble. On va passer un tous les deux jours, et puis c'est parfait. Et putain, il y a du blé qui est passé sur l'autre champ, là. Hop. Ici, je tourne. C'est bon, je prends tout. Ouais, nickel. Ah, ça va, c'est assez sympa à faire. En plus, avec la musique, ça va. C'est pas trop compliqué. Donc, il y a juste à avancer, hein. C'est encore moins compliqué que de faucher, parce que faucher, faut avoir l'œil forcément tout le temps sur ce que tu fauches. Tandis que là, bon, une fois que t'es lancé, on va dire c'est assez simple. Hein. Il suffit de suivre le champ. Hop. Nickel. Voilà. Ouais, il va être vite fait à faire celui-là. Hein. Enfin, après, je sais que là, hop, il retourne par là, puis il retourne là, mais normalement, vu comment on prend large avec celui-là. Mais c'est sympa, ça prend pas, ouais, ça prend pas des chevaux énormes, du coup on peut faire ça avec le masset. Ça permet de tester cette puissance un minimum. Mais ça va, ouais, c'était la montée, je pense. Après, le plateau est assez lourd, hein. Faut savoir que le plateau est assez lourd finalement. J'en ai parlé autour de moi et puis il y en a pas mal qui me disent, ouais, ça peut. C'est sûrement le plateau qui est déjà assez lourd de base. Sans qu'il y ait rien dessus, il est assez lourd. Pourtant, ouais, voici. Ouais, maintenant que j'y repense, c'est vrai que le cas avait un petit peu galéré, hein, à tracter tout ce plateau. Mais bon, pas tant que ça non plus, mais il avait galéré un minimum. Du coup, ça explique, hein, parce que gros, sinon il a pas trop de mal. Hein, ça se voit que ça reste un bon tracteur. C'est de la bonne mécanique, là, c'est Ferguson. Hein. Le TA a jamais eu de problème avec le leurre, il me semble. Non, il me semble pas que j'ai entendu Guillaume se plaindre de. De son masset, relis de son case, ça m'étonnerait de l'entendre un jour se plaindre de case d'ailleurs. Hop, ici on braque, on éteint, tac, je vais lever ça pour mieux rouler. Hop, ici je vais repartir, comment là, je fais une marche arrière, c'est pas facile, hein. Tac, et là je rebraque dans le sens là, je baisse. Et j'active tout ce beau monde. Hop, et je repars en marche avant. C'est bon. Ouais, nickel, je borde même limite un peu. Oh là, là je suis nickel. Ah là je suis nickel, en plus, oh non, il n'y a pas besoin de masse pour faire ça. C'est pas un porté, c'est un tracté. C'est assez pratique, c'est sûr. C'est sûr que c'est beaucoup moins contraignant, il n'y a pas besoin de mettre une masse, etc. Du coup, ça demande un petit peu aussi moins de... Parce que c'est des tracteurs assez légers, ceux-là. Ils n'ont pas le poids d'un vieux CAS ou de vieux tracteurs, etc. où il n'y avait aucun souci. Bon, il fallait quand même mettre une masse, mais ça va encore. C'est nickel. Pas déçu pour le moment. Ça a l'air de faire ça assez proprement. Ouais, ouais. C'est, en plus, bah, Krone, c'est réputé, hein, dans le milieu, bah, dans tout ce qu'ils font pratiquement. Hein. En non-sileuse, c'est les numéro 1, il me semble, en termes de qualité. De ce que j'ai entendu, apparemment, ça serait les meilleurs.
Et de loin apparemment. Même Class qui est assez bon dans, le, dans ce marché là n'arriverait pas à concurrencer. Ouais, je sais pas si c'est les plus vendus. Je sais pas du tout. Hop. Alors, ici on va repartir comme ça. Et je vais réattaquer. Je vais réattaquer par ici. Tac, ouais, normalement, ici c'est le dernier coup. Et puis je passerai sur l'autre champ. Hop. Hop. Oula, oula, je me trompe de bouton, j'ai pas encore l'habitude. Voilà, ici. On active. Et on est parti. Voilà. Ouais, c'est un coup de main à prendre, ça va. C'est pas trop compliqué. Ouais, c'est pas mal. Ouais, le travail. Ouais, j'étais pas trop. Je m'occupais pas trop de l'herbe. À l'ETA où j'étais. C'est vrai que souvent, on intervient plus au niveau du pressage. Enfin, en tout cas, dans, la, dans le Limousin. Et je pense que c'est pareil un peu. C'est un peu général un peu partout en, en France. Hein. C'est surtout au niveau du pressage, beaucoup de fermes. Donc à part celle-là, c'est pour ça que j'étais un petit peu choqué. Beaucoup de fermes ont leur matériel. Hein, pour tout ce, pour l'herbe, etc. Andaineurs, ouais, si, si, les andaineurs aussi. Hein. Mal de trucs, mais ouais, c'est sûr que je ferai des journées déjà un peu moins longues si Rex serait là. Bon, non, bon, quoi que ça va encore en ce moment, ça c'est pas trop à plaindre. Au niveau de ouais, la journée d'ensilage, j'ai dû terminer vers 22h-23h. C'est assez énorme parce que j'avais pas mal de trucs à faire et ça, c'est, je pouvais pas tarder là-dessus. Donc, du coup, qu'il soit de retour déjà, rien que pour la paperasse, ça va être pas mal parce que ouais, j'étais bien resté jusqu'à 23h à faire les papiers pour tout ce qui est porcherie, etc. J'ai même pas terminé d'ailleurs, mais bon, j'avais déjà bien commencé. Hop, c'est bon ici. On met le gyro. Et puis, je vais rentrer à la ferme rabotée. Et puis, comme ça, je refoutrai un coup, peut-être repailler. Une dernière ration. Et mettre remonter là-haut, mettre les patates aux cochons. Donc, ouais, si, la journée sera quand même un peu chargée. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, le retour de Greg est... Et très attendu. Voilà, pratiquement terminé de regarder tout ce qu'il y a à faire autour du moteur du Masset. Hein. C'est vraiment de la bonne mécanique. Hein. Franchement, c'est assez propre. Mais putain, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire des petits moteurs. Hein. Franchement, il descend. Bon, il descend, mais bon, pas tellement que ça. Hein, pas tellement plus qu'un autre. Donc, ouais, franchement, ils arrivent vraiment à compacter tout ça. Et sans que ça chauffe trop. Hein, les ventirades, si on peut appeler ça comme ça. Les radiateurs, on va dire. Ne galère pas trop à refroidir le tout, et franchement c'est vraiment de la bonne mécanique hein. Masset,
pas trop à m'en plaindre. Bon, même si avec Greg on est plus le groupe CNH, hein, KS de Hollande. C'est vrai que c'est des bons tracteurs. Hein, donc, ouais, on a un petit peu avant d'aller raboter. Un petit peu de temps devant moi. Alors, je vais charger ça.